Phryné est une Hétaïre grecque du IVe siècle avant Jésus-Christ. Elle est accusée par l'un de ses anciens amants d'introduire une divinité étrangère à Athènes et elle se retrouve jugée devant l'aréopage. Sentant la cause perdue, Hypéride, l'orateur qui la défend, convainc les Héliastes de l'innocence de Phryné en arrachant le haut de sa tunique, dévoilant ainsi sa poitrine. Les Héliastes virent dans la grande beauté de Phryné le signe d'une protection d'Aphrodite et eurent peur de fâcher cette divinité en mettant à mort une de ses servantes. Ils acquittèrent donc Phryné. Jean-Léon Gérôme représente en 1861 le moment précis où les charmes de Phryné sont dévoilés aux jurés. Dans le tableau de Gérôme, Hypéride s'est un peu emportée et au lieu de dévoiler le seul buste de Phryné, il la met totalement à nu. Phryné se protège le visage dans un geste qui révèle une pudeur bien haut placée et livre encore un peu plus son corps aux yeux des juges qui n'en demandaient pas tant. Selon la tradition antique, c'est Phryné qui aurait servi de modèle au sculpteur Praxitèle pour sa célèbre statue d'Aphrodite, dite de Cnide, que l'on juge de la différence d'attitude entre l'Aphrodite de Cnide qui cachait son sexe de sa main droite et la pose lascive du personnage peint par Gérôme. Gérôme utilise des effets faciles pour renforcer la théâtralité de cette scène. En plus des contrastes entre couleurs chaudes et froides, un éclairage violent est jeté sur la jeune femme, debout sur une estrade de pierre. La blancheur érotique de Phryné s'oppose au corps masculin hâlé, assis dans la pénombre et revêtu d'une tunique rouge. Cependant, comme le souligne un critique de notre temps, Phryné perd de son antique splendeur pour incarner la cocotte du Second Empire. Adepte de la reconstitution archéologique, Gérôme place la scène dans un décor reproduisant un tombeau étrusque de Tarquinia découvert au 8e siècle et il ajoute des objets antiques traités avec réalisme comme la statue archaïsante de l'Athéna Promachos sur le petit autel au centre de l'assemblée et le trépied en bronze inspiré par un modèle pompéien. Mais cette reconstitution est aussi le produit d'un imaginaire grec qui ne respecte pas l'histoire puisque, entre autres fantaisies, l'aréopage siégeait à Athènes en plein air sur une colline près de l'Acropole. Ainsi, la peinture à grand spectacle de Gérôme privilégie la vérité archéologique et le détail pittoresque, mais aussi les interprétations fantaisistes des textes et des images. Le succès de sa Phryné, reproduite à maintes reprises dans les décennies suivantes, n'interdira pas les critiques des tenants de la peinture moderne qui rejetteront une esthétique néo-grecque assimilée finalement à l'académisme. Mais c'est que Gérôme traduit les derniers soubresauts de la peinture face à la photographie, son incapacité à inventer une nouvelle manière de peindre à l'heure du réalisme photographique. Phryné, composition pleine d'anachronismes et de contresens, fut qualifiée par Zola d'image habile, de marchandise à la mode, mais qu'importe. Ce corps nu faussement pudique, rendu pornographique par son dévoilement honteux, plut beaucoup.
Joris Karl Huysmans est un romancier et critique d'art qui prit une part active à la vie littéraire et artistique française dans le dernier quart du XIXe siècle et jusqu'à sa mort en 1907. À partir de 1876, il collabore à différents journaux pour lesquels il rédige des comptes rendus des salons de peinture. À cette occasion, il découvre les tableaux de plusieurs jeunes artistes indépendants qui exposent à l'écart des salons officiels, où leurs œuvres sont systématiquement refusées par le jury. Il s'enthousiasme pour Édouard Manet, dont il vend un tableau intitulé « Nana ». Dès lors, Huysmans prend la tête du combat, visant à imposer l'impressionnisme au public, auquel il fait successivement découvrir les œuvres de Gustave Caillebotte, Jean-Louis Forain, Georges Seurat, Paul Gauguin et d'autres. Il fut par ailleurs un opposant farouche à l'art salonnier dont il fustige les principaux représentants. Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme, ou Bouguereau. Il me faut bien, hélas, écrit-il dans son salon de 1879, commencer par l'œuvre de Monsieur Bouguereau. Monsieur Gérôme avait déjà rénové le glacial ivoire de Wilhelm Mieris. Monsieur Bouguereau a fait pis. De concert avec Monsieur Cabanel, il a inventé la peinture gazeuse, la pièce soufflée. Ce n'est même plus de la porcelaine, c'est du léché flasque. C'est, je ne sais quoi, quelque chose comme de la chair molle de poulpe. La naissance de Vénus, étalée sur la simèse d'une salle, est une pauvreté qui n'a pas de nom. La composition est celle de tout le monde, une femme nue sur une coquille au centre. Tout autour d'elle, d'autres femmes s'ébattant dans des poses connues. Les têtes sont banales, ce sont des sidonies qu'on voit tourner dans la devanture des coiffeurs. Mais ce qui est plus affligeant encore, ce sont les bustes et les jambes. Prenez la Vénus de la tête aux pieds. C'est une baudruche mal gonflée, ni muscles, ni nerfs, ni sang. Les genoux godent, manquent d'attache. C'est par un miracle d'équilibre si cette malheureuse tient debout. Un coup d'épingle dans ce torse et le tout tomberait. La couleur est vile, et vil est le dessin. C'est exécuté comme pour des chromos de boîte à dragées. La main a marché seule, faisant l'ondulation du corps machinalement. C'est à hurler de rage quand on songe que ce peintre qui, dans la hiérarchie du médiocre, est maître, est chef d'école, et que cette école, si l'on y prend garde, deviendra tout simplement la négation la plus absolue de l'art. Au salon de 1878, le peintre Henri Gervex présente une œuvre inspirée d'un poème de Musset qui raconte la fin de Jacques Rollin, acculé au suicide par la ruine qu'il aura précipitée par son goût du plaisir et de la débauche.
Rolla considérait d'un œil mélancolique la belle Marion dormant dans son grand lit. Je ne sais quoi d'horrible et presque diabolique le faisait jusqu'aux os frissonner malgré lui. Marion coûtait cher. Pour lui payer sa nuit, il avait dépensé sa dernière pistole. Ses amis le savaient, lui-même, en arrivant, il s'était pris la main et donné sa parole que personne au grand jour ne le verrait vivant. 3 ans, les 3 plus beaux de la belle jeunesse, 3 ans de volupté, de délire et d'ivresse, allaient s'évanouir comme un songe léger, comme le chant lointain d'un oiseau passager. Rolla se retourna pour regarder Marie. Elle se trouvait lasse et s'était rendormie. Ainsi, tous deux fuyaient les cruautés du sort, l'enfant dans le sommeil et l'homme dans la mort. Marie, en souriant, regarda son miroir. Mais elle y vit Rolla, si pâle derrière elle, qu'elle en resta muette et plus pâle que lui. « Ah ! Dit-elle, en tremblant, qu'avez-vous aujourd'hui ?»« Ce que j'ai !» dit Rolla. « Tu ne sais pas, ma belle, que je suis ruinée depuis hier au soir ?»« C'est pour te dire adieu que je venais te voir. Tout le monde le sait, il faut que je me tue. »« Vous avez donc joué ?» « Non, je suis ruinée. »« Ruinée ?» dit Marie, et comme une statue, elle fixait à terre un grand œil étonné. « Ruinée ? Ruinée ? Vous n'avez pas de mère, pas d'amis, de parents, personne sur la terre ? Vous voulez vous tuer ? Pourquoi tuez-vous ? » Elle se retourna sur le bord de sa couche. Jamais son doux regard n'avait été si doux. 2 ou 3 questions flottèrent sur sa bouche, mais n'osant pas les faire, elle s'en vint poser sa tête sur la sienne et lui prit un baiser. « Je voudrais bien pourtant te faire une demande, murmura-t-elle enfin. Moi, je n'ai pas d'argent, et sitôt que j'en ai, ma mère me le prend. Mais j'ai mon collier d'or. Veux-tu que je le vende? Tu prendras ce qu'il faut et tu l'iras jouer. » Rolla lui répondit par un léger sourire. Il prit un flacon noir qu'il vida sans rien dire, puis, se penchant sur elle, il baisa son collier. Quand elle souleva sa tête appesantie, ce n'était déjà plus qu'un être inanimé. Dans ce chaste baiser, son âme était partie. Et pendant un moment, tous deux avaient aimé. Henri Gervex, ancien médailliste du Salon, voit son œuvre « Rolla » brutalement retirée de l'exposition par l'administration des Beaux-Arts 1 mois avant la manifestation. Henri Gervex est pourtant un peintre qui jouit d'une certaine renommée et normalement dispensé de subir le verdict du jury. La toile, scandaleuse, est exposée dans une galerie privée où la foule se presse. Joris Karl Huysmans, probablement stimulé par ce refus d'accrocher, défend le tableau de son style riche. C'est vraiment un cas curieux que celui de M. Gervex. Ce peintre présente un tableau intitulé « Rolla ». M. Gervex est hors concours. Il n'a donc plus à subir l'examen de ces gens qui osent bien jouer, en art, ce rôle de médecin de la police, visiter chaque toile et la refuser si elle est originale et partant malsaine. Son œuvre est apportée quand même dans la salle des consultations, elle est admise de plein droit,
On lui trousse néanmoins la robe et alors commence, à n'en pas douter, une scène exquise. Les bouffons médiocres qui composent le jury renouvellent, en la renversant, la scène de Frinet, si mal rendue par le triste Jérôme. Ce n'est point la courtisane, ce sont les juges qui se voilent la face. La censure vient au secours de ces bons caducs, déclare l'œuvre immorale, la refuse sous prétexte qu'elle attente aux mœurs. Mon intention n'est pas de discuter ici l'opinion du jury. Je l'ai déjà énoncé et je le répète une fois de plus. L'art n'a rien à faire avec la pudeur et avec l'impudeur. S'il n'en était point ainsi, ce serait la condamnation de toute nervosité ou de toute puissance, la négation absolue de l'étude de la nature et de la vie. Mais sans perdre notre temps à récriminer, venons au panneau qui est exposé chez Bague, l'expert, au numéro 41 de la chaussée d'Antin. En voici la description. Au milieu d'une chambre tendue de soie, un lit blanc, laqué, Louis XVI s'étend, la tête surmontée de rideaux bleus, les pieds posant sur un tapis moucheté de pourpre sombre. Au chevet, une table de nuit en bois de rose du même style avec plaques de marbre blanc et petite galerie ajourée et dorée supporte une lampe bleue turquoise au pied de laquelle se déroule un collier de perles. À côté, au premier plan, à droite, un fauteuil tacheté de feuilles mortes, de vert pâle et d'ocre contient le harnais de grâce jeté à la vent-vol dans la bourrasque savante d'un déshabillage. Un chapeau noir, près d'une canne, au pommeau de lapis, se dresse glorieusement sur le guet fouillis d'un corset écarlate et d'une robe de soie rose. Dans la déroute des draps sous la courte pointe bleue ouatée qui pend sur la couche, Marie, Marion ou Maria, ainsi que l'écrit M. de Musset pour le besoin de ses rimes, gît, les bras et la tête jetés, les cheveux blonds dévalés, les seins roulants, elle a les yeux clos, battus, culottés de bistre, la bouche désalivée, rougie de carmin par place, fripée par d'autres, et tout cela sourit un peu, d'un sourire presque douloureux, d'un sourire lassé qui implore une trêve. La jambe droite se soulève, la gauche pend, en dehors du lit, découvrant le ventre à peine mûr, au bas duquel le drap déferle et vient mourir. Rolla, ou le premier monsieur venu, le titre de monsieur Gervais, ce n'est qu'un prétexte, et je l'en félicite, car il est impossible de faire, avec l'emphase et le lyrisme de pacotille de ce poème, une œuvre vivante et vraie. Rolla a ouvert la croisée toute grande. Paris s'aperçoit, un Paris réveillé dont les tièdes alcôves vont s'ouvrir sur le pillage des oreillers et la débâcle parfumée des draps. Brun, maigre, les orbites creuses, les joues hâves et tirées, la chemise tassée dans la culotte qu'elle bosselle aux fesses, le jeune homme regarde, regrettant et dégoûté, la fille inerte, avachie dans son long somme. Cette figure ravagée et sombre, détachée dans un flux de lumière blonde, est vraiment belle. Dans ce dépoitraillé de costume, dans cette chemise au plastron et aux manches froissées, cet homme a grande allure, et je vois, dans cette fille éboulée, après des intimités haletantes sur un lit, un coin de parisianisme et de modernité qui évoque en moi des souvenirs du grand et divin poète Charles Baudelaire. Si nous passons maintenant à la facture même de l'œuvre, le Rolla est un tableau comme l'on en verra peu, à coup sûr, au salon de cette année. Le seul reproche que je pourrais adresser à l'artiste, ce serait une certaine tendance pour les tons crayeux.
ainsi que dans sa toile de l'année dernière, Une première communion à la Trinité, M. Gervex s'est conclu à faire se marier, se heurter, se fondre ou se contraster ces blancs. Un jupon échoué sur le parquet s'appuie sur le cercle empesé de la taille et se redresse en éventail le long des draps. Il y a là un effet curieux et bien rendu. Tout cela est brossé largement, sans fioriture ni blaireautage. Les accessoires sont enlevés à grands coups, bravement. Le premier plan est tout simplement exquis. Pour réveiller la tonalité bleue et blanche de son tableau, le peintre a placé le fauteuil diapré dont j'ai parlé plus haut, passant ainsi des teintes calmées des tentures et des chairs. L'œil s'arrête ensuite au rose et au rouge vibrant de la jupe et du corset et suit de là la ligne plus sombre du tapis jusqu'au pied de la couche qui amortit dans son ombre le satin cerise d'une mule jetée là à la boule vue. Il y a dans cette toile une grande science d'arrangement, une infinité de détails qui ne turbulent point et qui, n'empiétant pas sur le sujet, le complète simplement et l'explique. Si je m'arrête maintenant devant la femme même, la tête jolie, un peu populacière, le corps frêle et jeune, le cou, les seins sont excellents. J'aime moins, par exemple, la jambe qui fait l'angle, et je retrouve trop, parfois dans le rang du déchert, certaines colorations qui me rappellent les gris laiteux du célèbre Cabanel. Ainsi, Joris Karl Huysmans soutenait-il l'œuvre de Henri Gervex de son écriture élégante. Avec le regard que nous permet le recul historique, nous pourrions rajouter quelques éléments de compréhension ou au moins faire une synthèse réactualisée de la scène. Comme nous l'a bien raconté Huysmans pour illustrer le poème d'Alfred de Musset, Henri Gervex situe le passage choisi dans une chambre à coucher de luxe, au parfum capiteux, décoré d'étoffes et de mobilier luxueux. Le peintre présente un homme au bord d'une fenêtre ouverte, le regard plongé sur une jeune femme nue, étendue dans son lit, un sujet considéré comme sulfureux, hautement immoral. Si le nu féminin au centre du tableau est d'une facture parfaitement lisse et d'un blanc de porcelaine, conforme aux nus académiques du XIXe siècle, c'est le cadre dans lequel l'artiste a situé son modèle qui choque. Nous ne sommes plus dans le contexte mythologique, prétexte aux nus de l'époque. Et c'est notamment le morceau de peinture situé dans l'angle droit du tableau qui fait scandale. On y découvre une nature morte composée d'un jupon, d'une jarretière et d'un corset, ainsi qu'un escarpin rouge manifestement jeté à la hâte un peu plus loin. La disposition désordonnée de l'ensemble suggère que la jeune femme s'est déshabillée très rapidement. C'est le peintre Edgar Degas qui aurait soufflé à son ami Henri Gervex la représentation de ce corset dégrafé, un détail fortement érotique pour expliciter la scène et souligner le fait qu'il s'agit bien d'une fille de joie endormie après avoir reçu un client. La canne qui ressort ostensiblement des sous-vêtements apparaît d'ailleurs comme une métaphore de l'acte sexuel. Le rang social du client est évoqué à travers le chapeau haut de forme et l'amour vénal est aussi rappelé par la table de nuit sur laquelle pendent des bijoux, un bracelet et un collier de perles. On se situe manifestement dans les hautes sphères de la courtisanerie. Du point de vue du style, Henri Gervex affirme sa qualité de peintre académique formé chez le peintre Alexandre Cabanel tout en marquant son attraction pour la nouvelle peinture moderne. La toile est ainsi baignée
d'une lumière claire issue d'une fenêtre ouverte sur un balcon en fer forgé, offrant une vue sur un paysage urbain d'immeubles flous, propres au nouveau courant impressionniste. Dans cette toile, Henri Gervex livre au spectateur une version moderne du drame d'Alfred de Musset, éloignée du romantisme originel qui plaçait les deux héros, la prostituée et le débauché, sur un même plan, unis dans une destinée tragique identique. Il rend compte d'une réalité scandaleuse de plus en plus dénoncée à la fin du XIXe siècle, celle du jeune homme riche, éperdument amoureux, acculé à la ruine puis au suicide par sa maîtresse, une courtisane cupide et insatiable. Le tableau est du reste probablement inspiré des amours entre Henri Gervex et la grande courtisane Valtès de Labigne. Le thème est alors très à la mode et fait l'objet d'une certaine fascination dans une époque paradoxale qui oscille entre une certaine poussée pornographique et une réaction vigoureuse des ligues de moralité nécessaires à la crédibilité de la Troisième République. Valtès de Labigne est en effet une grande courtisane. Le nom qu'elle s'est choisi vient d'une contraction de « Votre Altesse ». Elle n'aura de cesse de chercher à s'anoblir et s'inventera une lignée de parents aristocrates. Elle commence à se prostituer très jeune, faisant partie des lorettes, n'étant ni une grisette et pas encore une demi-mondaine. Cette prostitution est clandestine, se faisant souvent sous les porches et avec le risque d'être arrêtée par la police et de se faire couper les cheveux en punition. Repérée par Offenbach, elle débute sur scène en jouant le rôle d'Hébé dans Orphée aux Enfers. Un critique la juge alors rousse comme une vierge du Titien et très timide. Mais d'amant en amant, la belle s'enrichit au détriment de ses admirateurs. Surnommée « Rayon d'or », elle est raffinée, s'intéresse aux arts et à la littérature. Elle s'achète un carrosse avec lequel elle circule dans Paris, puis un hôtel particulier qu'elle consent à montrer à Émile Zola. Sa chambre, et en particulier son lit, inspire l'auteur pour décrire la chambre de Nana. Un lit, comme s'il n'en existait pas, un trône, un hôtel où Paris viendrait admirer sa nudité souveraine. Décomplexée, Valtès de Labigne affiche une liberté d'esprit et prend pour amante une autre courtisane, Liane de Pougy. Jean Cocteau se rappelle Liane de Pougy, le poing sur la hanche, harnaché de perles, cuirassée de diamants, Liane de Pougy avançait parmi les tables de Maxims avec l'indifférence des astres. Les hommes se levaient, la saluaient, elle continuait sa route. À 30 ans, Liane est l'une des reines du demi-monde. Et pourtant, dans les années qui suivirent, Liane de Pougy se laissera guider par la mère supérieure, Marie-Xavier, de l'asile Sainte-Agnès près de Grenoble et deviendra en qualité de laïque consacrée, fidèle à la règle dominicaine. C'est Hélène André qui sera le modèle pour Manon. Hélène André est une jeune comédienne de 21 ans qui commence à être connue quand elle pose pour Gervex. Elle a déjà posé pour Manet et Degas et mènera par la suite une double carrière de comédienne et de modèle très appréciée par les impressionnistes. Aussi, comme elle le racontera plus tard, a-t-elle pris une précaution. Henri Gervex répandit mon anatomie sur le lit de son Rolla. Je ne tenais pas à être reconnue en cette Manon d'une tenue si abandonnée. Je recommandais à Gervex, surtout ne lui donnez pas ma figure. Bref, pour le visage, c'est une brune qui posa.
On la retrouve donc chez Manet, puis chez Renoir. C'est la petite jeune femme en bleu avec son bonnet à rayures qui discute avec Gustave Caillebotte, lui-même à califourchon sur sa chaise, à droite. La voilà dans l'absinthe. Puis à nouveau chez Gervex, livré aux étudiants du docteur Péan pour une opération. Dans ce retour du bal, il émeut par cette composition d'une femme éplorée, probablement grondée par son mari ou son amant, et cet homme qui enlève nerveusement ses gants. Cette peinture passera les frontières au travers des illustrations de magazines et journaux et elle ira jusqu'à inspirer un artiste du Brésil. Belmiro de Almeida, qui, malgré les différences de traitement, ne reniera jamais son modèle. Voici encore ce beau mariage civil où il semblerait qu'on reconnaisse la belle Valtesse de la Bigne à droite qui nous regarde. Quant à la belle horizontale, Liane de Pougy, on la retrouve dans cette œuvre étrange de Jean Béraud. Ce peintre, né à Saint-Pétersbourg, deviendra un des principaux peintres de la vie parisienne de la Belle Époque. À travers une multitude de scènes de genre, il peint avec acuité et parfois avec ironie le milieu feutré de la bourgeoisie. Les petits métiers, l'ambiance des cafés. Les réunions publiques. Voici de lui une nouvelle éplorée dans le genre du retour de bal. Il illustre ici un extrait de l'évangile de saint Luc, chapitre 8, verset 49, la visite de Jésus chez le pharisien Simon, au cours de laquelle une femme pécheresse oint les pieds de Jésus d'un parfum de grand prix, après les avoir mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Mais la scène se déroule en 1891 dans un intérieur bourgeois. Renan, l'auteur de La vie de Jésus-Christ, au centre de la table, une serviette autour du cou, préside un dîner mondain où figurent nombre de personnalités parisiennes, dont le chimiste Eugène Chevreul. Qui avait énoncé en 1839 la loi du contraste simultané des couleurs. Cette caractéristique de la perception humaine qui se pose ainsi. Le ton de deux plages de couleurs paraît plus différent lorsqu'on les observe juxtaposées que lorsqu'on les observe séparément sur un fond neutre commun. Cette loi aura une influence consciente sur les néo-impressionnistes, bien qu'on pense que depuis Eugène Delacroix, les peintres en avaient déjà l'intuition. Antoine Duc-Quercy est un journaliste et militant socialiste guédiste français. Dans la seconde moitié des années 1870, il s'engage politiquement dans le camp républicain en s'opposant au régime de l'ordre moral et en rejoignant les partisans de l'amnistie en faveur des communards. Le peintre Jean Béraud a fait de Duc-Quercy ce gauchiste
le modèle du Christ de la Madeleine chez le pharisien. Ernest Renan consacra une partie essentielle de son œuvre aux religions, comme avec par exemple son « Histoire des origines du christianisme », dont le premier tome est consacré à la vie de Jésus. Ce livre, qui marque les milieux intellectuels de son vivant, contient la thèse, alors controversée, selon laquelle la biographie de Jésus doit être comprise comme celle de n'importe quel autre homme, et la Bible comme devant être soumise à un examen critique comme n'importe quel autre document historique. Ceci déclenche des débats passionnés et la colère de l'Église catholique. Ernest se défendait d'être un pharisien et le voilà assis parmi les pharisiens. Quant à la belle pécheresse implorant Jésus, elle n'est autre que la sulfureuse Liane de Pougy, dont on sait très bien qu'elle finira par se repentir. Aussi, ce tableau, qui représentait la scène biblique dans le monde politique et littéraire parisien de la fin du XIXe siècle, eut-il son succès de scandale au Salon de 1891. Ainsi, la mentalité romantique s'était bien transformée au cours de la fête impériale. Ligues de vertu et amateurs de jouissance s'opposaient, et les peintres, qui se faisaient les témoins de ces antagonismes, nous donnent un témoignage qui est une véritable leçon d'histoire.